Hey yo tout le monde, c'est du stuff, on se retrouve pour le 11e épisode de Pokémon Origins. J'espère que vous allez tous bien, moi personnellement ça va comme il faut. On se retrouve donc pour ce nouvel épisode. On va utiliser notre sac, on va utiliser une petite potion sur Psychisp. Voilà, parce que sinon ça a posé problème. Et puis on va changer l'ordre des Pokémon, ordre, hop, puisque Gragra n'est plus capable de se battre et donc on ne peut plus le faire XP. Alors, il fallait qu'on trouve le mélo de cette grotte. Donc, c'est vrai que là, on le trouve pas trop, quoi. Donc, il va falloir continuer à explorer la grotte. Et je pense que le mélo doit être quelque part, quoi. Par ici, il n'y a rien. Là-haut, on est allé chercher un objet. Là, on n'a pas grand-chose. Là non plus. Donc, écoutez, c'est forcément par ici. Il n'y a pas à tergiverser. Alors, c'est peut-être par là. Peut-être que c'est par là. Je vous rappelle qu'il y avait un dresseur qu'on n'arrivait pas à battre là-bas. Il me semble. Vous croyez qu'on peut le battre maintenant? Peut-être. Peut-être qu'on peut le battre maintenant. Il n'y avait pas un Pokémon avec... Si, attends. Je sais ce qu'on va faire. Allez, on va le battre. On est des thugs. On va réussir à le battre cette fois. Enfin bon, s'il n'y a pas de Pokémon avant, bien entendu. Un mélo. On doit faire en sorte de... trouver un mélo. Hey, salut toi! Tu savais que l'humidité des grottes favorisait la formation de minerais très rares? Bon, je vais faire une pause dans mes recherches. Faisons un combat. Allez, cette fois, ce combat-là, on le réussit. Parce que on a un atout de choc, c'est-à-dire un Pokémon de type électrique. Et ça, ça va nous aider contre ce chauve-sourire. Parce que ça va être stabé plus... Voilà, ça c'est facile. Flair, il m'identifie, superbe. Une potion, pourquoi pas. On va refaire une onde de choc. Ok, très bien. Et on ref... Ah, il rattrape. Ah bon, il en repsychoquac. Bah super, ça m'arrange aussi. Ça m'arrange aussi. Hop, onde de choc également. Voilà, on le met KO. Ça c'est bien. Là c'est bien. Là c'est bien, Zézé. Là, franchement, tu gères, Zézé. Vraiment. Non, on change pas de Pokémon. Non, on change pas de Pokémon, on a dit. Et onde de choc. Et là. Et bah voilà. Bon, il était facile à battre, hein, quand on a les Pokémon qu'il faut. Hein, Ah, et je dois être plus doué pour miner que pour le combat. Visiblement, oui. Hop. Il est toujours niveau 12, il a failli passer à niveau 13. Ah, une Pokéball. Élixir. Hop, lui on l'a fait ou pas? Lui on a dû le faire. Encore ça. Ah, il y a le blondinet là. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Ah, c'est toi, Enti. J'ai beau chercher partout, aucune trace de ce mélo. Je commence à désespérer, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. C'est vrai que aucune trace du mélo quoi. C'est fou ça. C'est vrai que. Il est peut-être mort. Hein. Peut-être qu'il est mort. Nosferapti niveau 5. Ok, il y a eu un petit freeze. J'ai pas trop compris pourquoi. Bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a eu un petit freeze d'image. Ça m'a fait un peu peur. Donc toi, on t'avait battu, c'est vrai. Rappelons-le. Encore un Nosferapti. Faudra un Pokémon eau électrique, comme ça on saurait qu'on est forcément... Oh, les Pokémon là. Chauve-sourire, superbe. On est déjà des Pokémon vol, allez-vous-en. Donc visiblement ce serait pas par ici. Hein. Donc on va continuer par en bas. Et puis on va voir ce qu'il y a, mais visiblement voilà, le mélo n'est pas par là. Donc on va voir. Je vois pas vraiment où il pourrait être. Alors. Eh mais il y a des Pokémon tous les pas quoi. C'est fou. Tu fais un pas, t'as un Pokémon. C'est un scandale. Tu vas voir qu'il a fermeté. Ah non.
J'arrête. Il aurait pu avoir fermeté, mais il a pas fermeté. Un Pokémon tous les pas, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Allez, on continue, un racaillou. Mal cette fois-ci. Bon, on continue en attaque pistolet à eau, ça nous fait un peu XP, ça va pas plus lentement que de fuir hein, finalement. Voilà, très bien. On continue. Alors, donc là, on est allé en bas. On est allé là. Fallait tout droit, quoi. C'est le prochain spot, c'est d'aller tout droit, hein, quoi. Il a fermeté, lui. Ouais, il a fermeté, je l'avais dit. Armure. Waouh. Ah, mais avec ça, tu vas bien te protéger, hein. Hop. Et lui, il rapporte combien d'XP? 40, c'est pas énorme. J'aurais dû prendre des repousses, je sais pas s'il y en a. Mais c'est peut-être pas bien de gaspiller notre argent pour des repousses finalement. Ok, bon bah il doit être par là alors. On est d'accord. Il y a que là qui peut être le mélo. Il peut pas être autre part. Mais il y a rien ici. Il y avait strictement rien par ici. Mais donc il y a pas de mélo. Meuf, c'était juste pour nous distraire que tu nous as dit qu'il y avait un mélo? Non, parce que là, non, il n'y a pas de mélo. Hein. Tant pis, on s'en va. Hein. Merci de vous être dévoué. Je compte sur vous pour sauver mon petit mélo. Mais il n'y a pas de mélo, d'accord? Il est où son mélo? Attends, mais il n'y a pas de mélo. Elle l'a bien perdu dans la grotte, son mélo. Il est caché quelque part? Il est caché derrière un... Non, vous pensez... Pire, c'est qu'il serait capable de l'avoir caché derrière un rocher. Du coup, faut aller chercher les rochers. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'il est caché derrière un rocher. Un truc de ouf. Si vous avez fait ça, franchement, vous êtes des... Attends, je vais acheter des repousses, moi, parce que ça me saoule. J'aime pas trop. Hop. Allez, les repousses. Hop, acheter. Voilà, des repousses. Hop. Voilà, 4 repousses. Voilà. Ça, c'est pas mal. Parce que si c'est pour se taper des Pokémon tous les pas, ça va être vite, vite vu, quoi. Allez, c'est parti. Route 1, toujours. Il y a intérêt qu'il soit dans la grotte à un moment, ton mélo. Hein, parce que moi, je fais pas des grottes pour rien. Ils sont où les... Repousse. Ça va repousser les Pokémon sauvages. Bah, j'espère bien. Bon, est-ce qu'il est caché là? Non. On est d'accord qu'il peut être caché, il peut clairement être caché en fait. Derrière les gros trucs. Peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont montré le Rhinocorn caché derrière un truc. L'effet repousse se dissipe. Ok, c'est pas par là. Par ici, pour être là le mélo. Non, il est pas là. Il est pas là. Là, il y a pas de grand truc. Là, il y a pas de grand rocher. Peut-être là en fait, regarde. Non. Ah, c'est toi, Nti, j'ai beau chercher partout, aucune trace. Mais oui, je sais, il est pas là. Penser qu'il est derrière un truc. Ce serait bizarre quand même. Du coup on va par où? On regarde en bas.
Bon allez, on le fait sans... Ah attends, on n'est pas allé par là, si. Si, on est allé par là. On est allé par là. Oui, c'était là qu'on avait... Ah non, non, on n'est pas allé par là. Bah non, on n'est pas allé par là. Ok, je sais plus où on est allé, je ne sais plus où on n'est pas allé. Ah si, on n'est pas allé par là. Ok, super. Super, on a un nouvel endroit. Là, on a un montagnard, donc normalement, on pourrait le mettre KO tranquille avec notre psychisme. Mais ce qu'on va faire, c'est que on veut quand même faire XP notre Gragra. J'ai pas vu cette entrée de droite, c'est fou. Hein. Attends, on l'a fait ce montagnard? On l'a battu ce montagnard, c'est étonnant. Ça m'étonnerait quand même. Peut-être qu'on n'est pas passé assez près. Ou alors il va nous remarquer dès maintenant. Ah voilà, c'est ça. En fait, on a eu le combat sauvage juste avant qu'il nous remarque. Montagnard Primus. Un Tarinor. Hop, allez, vas-y, psychisme. Pistolet à eau. Il doit avoir fermeté lui aussi. Ah non, on l'a pas, on ne met pas KO en un coup. Donc du coup, fermeté ne... Ah, fermeté n'agit pas, j'allais dire. Mais bon, là, du coup... avec pistolet à eau. Enfin, potion, c'est un petit peu chiant. Pistolet à eau, voilà. Eh ben, c'est parfait. Niveau 14? Ah, presque. Nosferapti va être envoyé. Oui, on change de Pokémon. On envoie Gragra, et puis ensuite on envoie Zézé. Pokémon, Zézé. C'est parti! Ultrason. Ah, il a raté son attaque, ça c'est bien. Onde de choc. Superbe. Parfait. Excellent. 45. Ah, il monte au niveau 13. Il apprend Force Nature. Ça fait quoi, Force Nature? Alors, on change de Pokémon, oui. On envoie Gragra. Je sais pas du tout ce que ça fait, Force Nature. Force Nature, ça dépend pas du... C'est normal, hein, donc... C'est pas ouf. On va envoyer Psychisme. Qui va monter au niveau 14, lui, normalement. Tu montes au niveau 14, on est d'accord. Ok. Et bah voilà, le petit niveau 14 qui fait plaisir. Il veut apprendre Entrave. Bah tiens, t'oublies Tourniquet. Et t'apprends Entrave, hein, on sait jamais. Et voilà, on t'a mis KO, toi. Ok, on va voir ce que ça fait, Force Nature. Hop. Résumé. Force Nature. Le type de l'attaque change selon le lieu de combat. Donc là, ça aurait fait peut-être des attaques de type roche. Je sais pas trop. Bref, pas ouf. Ah, une grotte. On va trouver le mélo là au fond. Caché. Ah, bah voilà. Tu es à moi. Ah, tu es fait comme un rat. Se fait attraper, se pourrait enfin percer le secret de la pierre lune. Je suis sûr qu'en t'étudiant, j'en découvrirai plus sur le pouvoir lunaire. Ça sent que tu en as besoin pour évoluer. Wow, arrête! Qui es-tu, toi? Peu importe qui je suis. Une femme m'a chargé de retrouver son mélo, et il me semble que c'est celui que vous êtes en train d'attraper. Sale menteur, comment peux-tu être sûr que ce soit bien son mélo? J'ai bien vu qu'il n'y avait pas de mélo dans sauvage dans cette grotte. Il n'est pas présent naturellement ici. C'est donc celui de la femme. Tu mens comme tu respires. Ce mélo est à moi. J'en ai besoin pour mes études. Et je vais l'attraper. Dans ce cas, vous me voyez dans l'obligation de vous en empêcher. Essaye un peu pour voir. Allez, c'est parti. Encore un combat. J'espère que cette fois, c'est pas niveau 20. Hein. Et tu sens le délire. Niveau 8. Oh, posé. Ça va. Bon, ça va peut-être augmenter au fur et à mesure, on sait pas. Allez, on envoie Psychisme. Ah, il a changé de Pokémon. Il a envoyé Smogo, pourquoi pas.
Pas très très grave hein, qu'il a envoyé Smogo. Pistolet à eau. Brouillard, ma précision baisse. Pas grave, on a réussi pour le moment. Gaz toxique, il rate son attaque, ça c'est cool. Potion. Pistolet à eau. Allez, plus qu'un pistolet à eau et c'est bon. Et il y arrive, super. Parfait, tu pèses le psychisme. Voltor va être envoyé. Voulez-vous changer de Pokémon? Oui. On va changer, on va envoyer Gragra. Je voudrais voir si je fais force nature. Pas mal. Pas mal du tout. Attends, on va refaire la même. Parce que force nature, c'est pas mal. Finalement. Bon, même si ça a fait un... C'est bon, ça passe. Ok, éboulement. Eh bah super! Mais il pèse Gragra, ça y est! Il commence à faire des dégâts. Je suis vraiment content de toi là, Gragra niveau 14. Ça c'est bien, Nodulite. Oui, on peut changer de Pokémon puisqu'il a déjà été envoyé à ce moment-là. Ah bah voilà Gragra, là je suis content. Pistolet à eau. Petite fermeté. Ouais, petite fermeté, c'est ce que je me disais. Jet de sable, aïe, la précision qui baisse. Et c'est bon, bah voilà, parfait. 41, 41. Et bah voilà, on l'a mis KO. En plus, Gragra pour une fois. Ah oui! Oh yeah! Ah, je t'aime! Je t'aime, Gragra! Ah, bah voilà, ça c'est beau! Ça c'est beau! Ah, bah voilà, Gragra, tu ne seras plus inutile. Bientôt. Ah, tu me paieras ça, sale voleur! Je me vengerai! Ah super, notre Gragra là, il commence à peser un peu. Allons Mélo, c'est fini. Je vais te ramener à ta maîtresse. Mélo. De rien, allez viens avec moi. Mélo se joint à l'équipe de NT. Bah allez, c'est parti. Ah là là, Gragra, je suis vraiment content. Pifeuille, il est type ténèbre ou pas? Plan de ténèbres, ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Hop, et ben voilà, on aura fini notre première quête. C'est pas trop mal. Après, on pourra se diriger vers la forêt. La forêt. La 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 la. Bon, on n'est pas encore assez OP pour battre des Pokémon de type roche. Mais si on croise un chauve-souris ou un Osferapti, ça passera tranquille. Un racaillou. Bah non du coup. Non non non, fuite. Ah, des Pokémon. Voilà. Là on a un Osferapti, et bah c'est parti, on va l'attaquer. Force nature. Éboulement. En plus j'ai l'impression que ça rate jamais. C'est vraiment sympathique. 30 points d'expérience. C'est parti. Allez, on est bon. Madame, j'ai retrouvé votre Mélo. Oh, c'est merveilleux mon pauvre petit, il va bien. Le voilà. Oh, mon cher petit, tout va bien? Maman a eu si peur pour toi. Mélo. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. C'est tellement admirable de votre part d'avoir bravé tous ces dangers pour sauver mon pauvre petit Mélo en détresse. Ah, mais c'est normal. C'est la moindre des choses d'aider une mère en détresse. NT a terminé la quête au secours, Mélo.
Sans vous, je n'aurais peut-être jamais revu mon petit Mélo. Alors, je tiens à vous récompenser. Tenez, je sais ce que je pourrais vous donner. Voici tout d'abord une petite somme pour le dérangement. 2000 Poké-Dollars, c'est pas mal. Et je vais vous remettre cet objet très rare, je le tiens de ma mère. Si vous le donnez à un Pokémon, il se liera d'amitié plus rapidement avec vous. Un gros lozène. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Je vous suis très reconnaissant d'avoir sauvé mon petit Mélo. Bon, eh bien, nous allons rentrer. Allez, viens, Mélo. Retournons à Sainte-Anne-Tam. Trop fort, trop facile. Et du coup, le blondinet, on le laisse dans la grotte? Bon, on va aller au centre Pokémon, en tout cas. On va soigner nos Pokémon et puis on avisera après. Hop! Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Eh ben écoutez, pendant qu'elle soigne nos Pokémon, moi, je vous dis, on va se quitter là pour cet épisode. On a avancé, vous avez vu, hein, on a avancé, hein, on a fait des trucs et tout, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. En attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde !